Oui, bonjour, bien, oui, bonsoir. On va demander l'heure où vous obtenez nous, et qui côté obtenez nous en tout. Donc, nous venons commencer avec la première séance de cours. Donc, normalement, on est supposé commencer avec l'histoire de la musique, mais nous avons bien pour sur l'histoire de la musique là, on a préparé pendant que nous commençons à cours. Et nous avons entendu qu'il est que nous avons fait un cours sur l'histoire de la musique. Bien qu'il y ait une documentation même qui fait sur l'histoire de la musique. Donc, parce que en tant que musicien, il faut qu'on connaisse l'histoire de la musique. Donc ça, nous pas dit sous peu, mais nous avons bien pour nous travailler un cours spécialement sur l'histoire de la musique. Kounia, ça nous pas loué la théorie musicale. Nous allons commencer avec la théorie musicale. Ok? Qui ça a dit de musique là? Je dis que, il y a comme définition, il y a un pile livre qui a comme définition la musique, l'art de combiner les sons et d'une manière agréable à l'oreille. Ok? Donc, ça a dit, c'est ça lié. Ok? Mais il y a un autre livre tout qui baille la musique, qui baille la définition que la musique c'est la science des sons. La science des sons, ou bien la science de l'arrangement des sons, ou bien la science de la combinaison des sons au cours du temps. Et ça nous vient de dire que toute définition ça, je sens c'est exact, parce que la musique là c'est une science liée. Ok? Par définition même, la musique c'est l'art de combiner les sons au cours du temps. Ok. Et comme nous connaissons dans chaque domaine, toujours gagner une unité de mesure. Parce que nous connaissons la science même, quel que soit le bagage, les besoins évalués, il faut gagner une mesure pour l'évaluer. Ok. Si vous prenez les mesures de longueur, la poids au gain. Mètre, après au gain, unité de mesure là, c'est mètre. Ok? Les mesures de poids, pour que je n'ai au gain, gramme. Gramme. Ok? Pour mesurer. Donc, la science même, comme une science exacte, donc les chita même sur des mesures. Et des valeurs qui mesurables. Ok? Mais c'est même genre pour musique là tout. Musique là, les gains, ils ont une unité de mesure. Ils ont une unité de mesure, même si c'est un son. Ok? Un son. Pas oublier, la musique, c'est la science des sons au cours du temps. Les on dit au cours du temps, c'est parce que, et quel que soit son, il n'est pas capable de gagner une valeur réelle dans le temps. Ni une valeur réelle dans le temps. Ok? Quel que soit son, ni une valeur réelle dans le temps. Ok? Donc, unité de mesure choisie pour la musique. Je choisis une figure. Je choisis une figure pour représenter un battement. Pas oublier, pour bien son, il faut bien toucher. Pour bien son, il faut bien toucher. Pour bien son, il faut bien toucher. Mais tout autant que je vais toucher, je vais bien son. Si je vais un battement, je vais bien son. Là, je vais frapper. Est-ce que je vais bien son là? Je ne vais pas attendre rien. Mais autant que je vais toucher, depuis que je vais frapper, je vais bien son. Ok? Mais ça fait dire que je vais représenter chaque toucher par des figures. Par des figures, mais pour mes figures à utiliser pour représenter un toucher dans la musique là, ou bien représenter un battement, ou bien un toucher. Ok, si c'est keyboard, c'est toujours toucher, toucher à deux. Si c'est guitare, c'est toujours fort, c'est toujours toucher, toucher.
on touche filio, ok. Si c'est batterie, c'est fort pour jeune son, hein? Ok, ok. Donc c'est seulement instrument avant yo, donc c'est pas avec lèvres, oh, c'est souffler ou pas souffler pour que vous capable jeune son, yo. Ok. Mais après ça, tout l'autre instrument, yo, instrument à cordes, yo, ok, et c'est touché, ok. Et figure pour l'utiliser pour présenter. Yon battement, mais battement ça, il faut qu'il y ait une valeur réelle dans le temps. Pour qu'il y ait une valeur réelle dans le temps, nous connaissons une unité de mesure pour mesurer le temps. Qui ça nous va bien? Pour mesurer le temps. Pour mesurer le temps. Nous gagnons qui ça? Nous gagnons. Nous gagnons 1 minute seconde. Ok. Nous allons, si nous allons plus long, si nous allons plus long, nous allons gagner jour, jour, semaine. Ok. Année. Ok. Ok. Jour, semaine, jour, semaine, année, et puis l'autre bagage. Donc nous pas besoin d'aller toute longueur ça, parce que nous pas besoin d'aller ça, ok, parce que dans la musique seulement ça allait nous pas le besoin, c'est une musique pas qu'à dire une heure de temps, jamais nous pas besoin de musique qui dure une heure de temps, ok, et une musique capable de durer entre 6 minutes 7 minutes, ok, 6 minutes 7 minutes. C'est maximum tant que la musique est capable de durer. Et même les salles, tout, il faut que la musique soit là. Comme on a dit ça. Il faut que la musique soit très émouvante. Ça veut dire permettre d'attirer le monde, de créer un pic de vibration là, quand même, là, pour que mon chita entende la musique pendant 6-7 minutes. Ok? Parce que depuis que vous commencez à parler là, la musique a commencé là sans. Il dit, et mon cas a commencé par et pas envie de continuer tant d'elle. Ok? Parce que trois bagages pour retourner en boucle. Ok? Et pour représenter son, il a utilisé une unité de mesure pour la musique, une figure, pour représenter une seconde. Une figure pour représenter une seconde. Qui figure qui peut représenter en seconde là, vous utilisez la noire. Vous utilisez figure ça. Ok. Ouais, donc, il fait 11 couché. Ok. Nous on a une forme ovale. Ok. Et puis avec une tige. Avec une tige. Ok. Si ça, il y a le que de note et si on ça, ovale ça, il y a le tête de note. Ok? Et si ça, il y a le tout, rampe ou que de note. Ok? Donc ces figures ça veut dire la noire, veut les figures ça la noire. Le dit figure ça, il a pour représenter, il y a prendre pour représenter une seconde. Il a touché cap durer une seconde. Il y a prendre pour représenter, il a touché cap durer une seconde. OK. Là, il y a une noire. Parce que la noire, c'est l'unité de mesure pour mesurer les sons de la musique. Hein? Ok? Parce que toute notre figure qui va venir, il va venir à partir toujours de la noire. Ok? La noire pour un temps.
Parce qu'en pile fois, mon Dieu toujours me dit que mon cas passé une musique, en pile mon cas passé une musique, je dis là, nous, il y a un temps. Mais un temps, ça, à qui ça l'égal? Un temps, il y a une valeur réelle. Un temps, il y a une valeur réelle. Ok? Un temps, ça, valeur réelle, c'est une seconde. Une seconde. Ok? Valeur réelle, un temps, ça, c'est une seconde. Ok? Figure ça, il est dans noir. Ok? Il y a une valeur réelle. Il y a une valeur réelle. Valeur réelle là, c'est une seconde. Ok? Et, pas oublier, figure ça, il va représenter directement la durée d'un son. Ok? Donc, c'est un son qui a duré un temps, mais tant ça, c'est une seconde. Chaque fois que je figure ça, mais pas oublier, pour me gagner tant ça qui a égal à une seconde, là, ni pas qu'à égal à une seconde, si je gagne, mouvement métronomique ça. Mouvement métronomique ça. Mouvement métronomique là, je dis, le noir égal à 60. Côté yon noir égal à 60. Mouvement métronomique côté yon noir égal à 60. Depuis que mouvement métronomique ça côté yon noir égal à 60, ça yon le sa mouvement métronomique MM, mouvement du métronome MM, yon noir égal à 60. Il dit que c'est 60 battements, 60 battements par minute. Soixante battements par minute, c'est 60 touchés à valeur égale, à durée égale. 60 battements par minute à valeur égale. Ok? Donc, tu dis que c'est 60 battements et dans chaque minute. Si 60 battements passés par minute, il y a 60 battements, 60 touchés à valeur égale, à durée égale à chaque minute. Donc, on va gagner en noir à chaque seconde. On va gagner en noir à chaque seconde. On va gagner en noir à chaque seconde. Gagner en noir. On va gagner en noir par seconde. Depuis mon mouvement métronomique, ça, je dis que c'est 60 battements à chaque minute, 60 battements par minute, 60 battements par minute, donc chaque battement est égal à 1 seconde. Chaque battement est égal à 1 seconde. 60 battements par minute. 60 battements par minute. Qui peut même que et chaque battement a duré en seconde. Si je fais 60 battements par minute, bon une minute égale à 60 secondes. 60 divisé par 60, à 1 million. Ça veut dire chaque battement a gagné pour durer en seconde. Donc, durée battement. Ok? Yon battement, durée li, c'est yon battement à égal à une seconde. Ok? Donc, représenter la noire, yon venir avec la noire pour représenter yon battement. Yon touché, cap égal à une seconde. Ouais? Cap égal à une seconde. Yon touché, cap égal à une seconde. Ok? C'est pas une fois que le prix sortir, non? Faut lui faire longueur seconde. Ok? 1, 2, 3, 4. Donc, faut le faire longueur seconde là. Parce que si le petit qui est en seconde, il n'est pas duré en seconde. Il pourra gagner des formes ou des figures qui vont le représenter. Ok? Et ça fait faut durer une seconde.
OK, folk aussi long que en seconde. Il va de ni plus petit, il va de ni plus. Donc folk li exact. OK. Je suis ça. OK. Je vais dire non, ça c'est la noire. Tige là, qui c'est bâton ça. Vous voulez tige, ok, c'est tige là. Et tige là, vous voulez le queue de note ou bien hump. Queue de note ou bien hump. Et si on ça, ou val ça, vous voulez le tête de note, ok. Donc ça, c'est pas mal, vous oubliez. Je vais changer ça. Ok. Je suis ça. Ok. Est-ce que là, vous avez choisi une unité de mesure là, pour la noire? Est-ce que vous avez fini là? Vous n'avez pas traité là. Vous choisi une autre figure pour dire que vous n'avez pas gagné seulement une figure qui a représenté un battement qui dure une seconde. Donc, vous avez parlé deux fois plus. Deux fois plus. Ok? Si vous parlez deux fois plus de un noir, donc elle dit vous venez avec une autre figure qui est capable de durer deux fois plus qu'un noir, qui est capable. Et plus long qu'un noir, mais deux fois plus long qu'un noir. Donc, vous venez avec figure ça. Ok? Venez à figure ça. Ok? Ok? Je dis figure ça à deux fois plus long qu'un noir. C'est la deux fois plus longue qu'un noir, donc ça veut dire la durée de temps. Ok? Et si la deux fois plus longue qu'un noir, sinon la durée un temps et un temps l'entier égal à une seconde. Si la deux fois plus longue qu'un noir, donc deux temps par là, la égal à deux secondes. Donc c'est un battement et un toucher, mais l'aucun bel pour compter deux secondes. Hein? Et, ouais. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pendant que nous allons les mêmes, c'est 1, 1, ouais, 1, ouais. Et blanche les mêmes, c'est, il y a les figures, ça, la blanche. Les figures, ça, il y a la noire. Ok? La blanche, la noire. Ok? Donc, blanche est deux fois plus longue que noire. Donc, chaque fois que je figure ça, je dis que c'est un battement qui a duré deux secondes. Si et seulement si nous avons un mouvement métronomique, ça ne faut pas jamais oublier ça. Donc, condition, mais condition. Si et seulement si mouvement métronomique, là, MM là, égal à 60. MM égal à 60. C'est seulement si un noir égale à 60. Mon remède autonomique là, il dit que c'est un noir égale à 60. Comme nous avons expliqué tout à l'heure, c'est 60 battements par minute. Côté chaque noir a duré une seconde. Ok? L'ambolguin blanchant là a duré 2 secondes. Ok? Voilà, duré 1 seconde, blanchant duré 2 secondes. Ça, c'est un battement qui a duré 1 seconde. Ça, c'est un battement ou bien un toucher. Ils ont touché comme duré 2 secondes. Mais il faut qu'un B son. Hein? Ok? 1, 2. Qu'un B son. 1, 2. Il faut qu'un B pour durer 2 secondes. Là, qu'un B son pendant 1 seconde. Ok? Ça dit, chaque fois que je figure ça, depuis que je mouvement métronomique ça, noir là, duré c'est 1 seconde. Ok? Ce que j'ai dit tout à l'heure, noir là, c'est une unité de mesure pour mesurer son à travers la musique. Ok, de la musique, c'est l'unité de mesure. Et pour la musique, la noire, vous allez pouvoir dire que blanchant c'est deux noirs. Ok, blanchant c'est deux noirs. Tout c'est en fonction de la noire. Tout. Toutes les autres notes. Toutes les autres notes. Toutes les autres notes. Et vous pouvez gagner, vous pouvez aller, il y a venir valeur, vous pouvez venir en fonction de la noire. Hein? Ok.
doit venir en fonction de la noire. Ça fait blanche en lui-même, c'est deux noirs. Ok, noir là c'est un temps, blanche c'est deux temps de la noire. Blanche c'est deux temps de la noire. Ok. Je vais venir avec une autre figure encore pour dire que nous avons gagné seulement une figure qui est capable de durer, qui est capable de représenter un son qui dure 2 secondes. Mais nous avons gagné une qui est plus longue. Je vais venir avec l'autre figure, ça, qui c'est la ronde. La ronde. Il dit lui-même, la deux fois valeur blanche là. C'est deux fois valeur blanche là, la quatre fois valeur noire. La quatre fois valeur noire là. Ok, la quatre fois valeur noire là, la deux fois valeur blanche là. Ok. Ok, la quatre temps de la noire, quatre temps de la noire. Si on a ces quatre temps de la noire, ça veut toujours dire on a égal à quatre temps. On a toujours dit on a égal à quatre temps. Mais. 4 temps ça, il y a une valeur réelle. 4 temps. 4 temps. Valeur réelle 4 monde là. Il est en fonction toujours du mouvement métronomique. Faut que mouvement métronomique là, il y a un noir qui égale à 60. Si le mouvement métronomique n'est pas noir égale à 60, donc monde là a toujours 4 temps, mais pas 4 secondes. Il a toujours 4 temps de la noire parce que ça ne va pas changer. Valeur ça a été fixe. Valeur ça a été fixe, mais valeur ça a été pour le modifier en fonction du mouvement métronomique. En fonction du mouvement métronomique. Donc si le mouvement métronomique va changer, on a toujours gagné 4 noirs à la donne, on a toujours gagné 2 blanches, mais valeur en temps réel, il a modifié. Ok? Nous voilà là. Si on a ces 4 temps de la noire, et nous connaissons noir là égale à 1 seconde, donc ça dit on a égal à 4 secondes. Et ça, ça veut dire. Donc, yon one, c'est 4 temps de la noire. Yon blanc, c'est 2 temps de la noire. Ok? 2 temps de la noire, 4 temps de la noire. Yon one a égal à 4 secondes parce que yon noir égale à 1 seconde. Donc, c'est 4 fois yon seconde égale à 4. Ok? Blanchant, c'est 2 temps de la noire, comme noir égale à 1 seconde. Donc, blanchant, c'est 2 temps de la noire. Donc, blanchant égale à 2 secondes. Ok? Figure ça, comme on dit, il y a figure ça, la ronde. Ok? Il y a la ronde. Ok? T'as l'air de nous parler montrer que les valeurs ça va changer. Ça va changer tout. Nous parlons aller voyons l'autre figure. On dit que normalement, il faut gagner l'autre battement qui est un petit casse petit parce que ça peut arriver que nous avons des sons qui disent plus petit temps toujours que en noir. Donc, ils ont venu avec une autre figure pour représenter un son qui est qui peut servir comme moitié en noir, qui peut durer moitié en noir, ou bien demi-seconde, qui peut durer demi-seconde. Ils ont venu avec figure ça, ce qui c'est toujours en noir. Avec assuré, ok, avec un crochet assuré, mais avec un crochet, ok, avec un crochet, il y a la couche, il y a la couche, je dis c'est une couche qui va représenter la moitié d'une noire, ok, si c'est moitié en noir, si mon là t'es un temps. Donc, noir là, couche à lui-même, poil, demi-temps. Ce qui fait que noir là lui-même, c'est deux fois de la couche. Ok? Couche là, c'est un demi de la noire. Couche là, c'est un demi de la noire. Donc, j'ai besoin de deux couches pour un noir. Ok? J'ai besoin de deux couches pour valeur un noir. Ok? Ok? Couche là, c'est un demi de la noire. Donc, couche à lui-même, il m'a besoin de deux battements. Deux battements pour un temps de la noire. Deux battements pour un temps de la noire. Ou bien deux battements dans une seconde. J'ai besoin de deux battements de couche pour un temps de la noire. Ok? Donc c'est deux battements dans une seconde. Qui va leur couche là? Couche là, là, égale à demi-seconde. Ok? Nous voyons là, dit que au cas joindre une valeur
qui est capable moitié coche là. Un son qui est capable plus petit encore que un coche. Plus petit que moitié en seconde. Et ça fait revenir avec figure ça. Ici, la double proche.